victoire. Même qu'à prier et qui en désespoir, invitez la caillou et la vine consoler. Vini joindre Jésus, la quimbe dans le combat la vie. Vini joindre Jésus, la bonne force pour gagner la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, sœurs et frères, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, la faute de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs des liens du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, les versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes fautes pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons. Et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable.
Mes persécuteurs trébuchant, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons dans le psaume 17 et nous répéterons. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur et il entend ma voix ensemble. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire, ensemble. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis, ensemble. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort ensemble. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles ensemble. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Chantons l'acclamation. Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. J'ai cherché la lumière et j'ai vu ta parole. J'ai suivi le chemin guidé par ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie. Le Seigneur en soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 10, du verset 31 au verset 42. En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux.
Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole L'évangile a commencé comme ça. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Donc, tentative pour lapider Jésus, hein, n'est pas faite une seule fois, mais plusieurs fois. Maintenant, pour qui ça? Ils ont accusé Jésus, ils ont dit que li blasphémé non bon Dieu. Est-ce que c'est parce que li dit li sauti non bon Dieu, li c'est bon Dieu qui se bouche papa, ou du moins est-ce que c'est parce que ça le fait yo, personne monde pas ka fait yo sinon que bon Dieu et bon Dieu seul. Juif yo fait plusieurs tentatives pour lapider, mais en même temps yo témoin de force, ou du moins sur témoin de œuvres que papa a fait dans petite là. Juif yo fait plusieurs tentatives pour lapider Jésus, mais au témoin que Jésus ça li fait monde qui pa ouais monde qui malade li guéri yo, monde qui mouri li levé yo. Jésus multiplié pain bay en pile monde manger. Donc li fait de bagaille extraordinaire qui suffit pour croire que vraiment il est le Fils de Dieu. Mais maintenant yeux yo bouché, yo pas découvrit dans Jésus que lui c'est bon Dieu. Certainement, il a gardé Jésus en fonction de l'origine, le fils de Joseph le charpentier. Donc, il aurait été seulement dans limite ça, mais il n'a pas contemplé les œuvres accomplies par Dieu par l'entremise de son fils Jésus. Donc, frère Maxime, parole bon Dieu, lui invitez-nous à aller plus loin. Lui invitez-nous à découvrir que Jean-Noël Besançon dit-lui de Jésus lisse bouche papa. C'est grâce à petit clan que nous connaît papa. Donc papa li à l'œuvre non petit là. Donc c'est ça que fait Jésus, il dit nous que papa non li et lui-même li non papa. Donc à chaque fois que petit clan li à l'œuvre, c'est en même temps papa qui a le c'est une communion d'action qui fait entre papa petit là à l'esprit. Donc si là qui gagne petit là automatiquement li gagne papa, et c'est ça que fait tout que c'est petit là qui s'est chemin vers papa. Si là qui non petit là yo déjà non papa, parce que le fils il est
le chemin. Voilà. Donc c'est ça que Juif yo même yo pas arrivé découvrir et c'est ça parole bon Dieu a li rivé, li invité nous pour nous toutes à nous chaque nous découvrir pour nous attacher nous à petite lan parce que si la yo qui dans petite lan yo nan papa yo nan chemin parce que petite lan li c'est chemin qui menait vers papa. On nous la prier frère Maxime yo dans célébration la messe lan pendant pour reprendre psaume 17 là qui montre nous que bon Dieu il est le Dieu fidèle, le Dieu qui écoute, le Dieu qui entend le cri des personnes angoissées, le Dieu qui entend le cri des malheureux, car dans mon angoisse j'appellerai le Seigneur et il entend ma voix. Donc bon Dieu a écouté la prière nous, bon Dieu a écouté voix nous, il suffit que nous parler avec bon Dieu dans la fidélité, nous parler avec bon Dieu avec un cœur qui est sincère et bon Dieu a écouté voix nous car il est le Dieu fidèle. Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de miséricorde, donne-nous de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. C'est le Seigneur, oh, Hosanna. C'est le Seigneur, oh, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre, la 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 la, sont remplis de ta gloire. Seigneur, oh, Satan, c'est le Seigneur.
l'homme, c'est le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit le Fils de Dieu, la 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 la, qui vient dans sa puissance. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin, sur les personnes qui se confient à nos prières, sur Claire, Régine, Théodore et enfant, sur Bado, Vanessa, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Charles Ludny, Choulot Gardi, Jeff Lefebvre, Christélie Romulus, Dr Max Derville, Historiette André, Josette Janvier, Madame Aliani Naël, Nadine Alice Nicolas, Platel Carissa Donia, Sœur Raymond Marseille, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse, sur chacun et chacune de nous. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus humain, mon temps, mon Dieu, qui ou était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus humain, mon temps, bon Dieu, qui ou était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus humain, mon temps, mon Dieu, qui ou était péché sous terre, vine faire que nous poser. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. De sa table en chantant ses bienfaits. Laissons là nos soucis, laissons là nos angoisses. Le Seigneur nous attend et veut nous remplir d'amour. Seigneur nous convie à son banquet, à ton repas, approchons de sa table en chantant ses bienfaits. Thank you.
Encore le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de trouver dans la communion à ce sacrifice une indéfectible protection. Grâce à elle, que tout mal soit à jamais éloigné de nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors nous, si quelqu'un monde cap célébrer anniversaire, il est capable d'avancer pour nous capable la prière, continuer la prière pour vous et souhaiter de joyeux anniversaire. Nous souhaitons de joyeux anniversaire à Charles Ludny, Choulot Gardy, membre de la chorale Sainte Famille. Joyeux anniversaire à Jeff Lefebvre, Christelli Romulus, docteur Max Derville, historiette André groupe Les Apôtres de la Vierge Altagrâce. Joyeux anniversaire à Josette Janvier, Madame Aliani Naël, Nadine Alice Nicolas, Platel Carissa Dunia, Sœur Raymonde Marseille. Nous souhaitons à ces personnes de joyeux anniversaire. Et nous profitons également pour saluer la présence et la participation active des sœurs à notre célébration. Un chant, j'aurais un effet. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères que notre prière vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter en cœur. Bon anniversaire. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que notre prière vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit
chair et que l'enfi nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire. Nous disons merci, merci à l'équipe d'animation, les chantres, merci à notre maestro, merci aux techniciens de la RTA, merci aux musiciens, merci à notre frère, merci à chacun et chacune de vous. Et maintenant, vous êtes priés de vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Tout de suite après la bénédiction, il y aura un temps d'adoration du très saint sacrement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, sœurs et frères bien-aimés, bonne journée. Merci mon Père, à vous de même. Oui, donne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu.